Ok, salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un bug qu'il y a eu sur Android récemment. Donc ça vous affiche ce message là, IU System s'est arrêté. Donc c'est lorsqu'on presse ce bouton, normalement ça affiche les applications en cours ou autre chose. Là ça nous fait, donc ça nous affiche ce message d'erreur. Donc je vais vous expliquer comment réparer entre autres votre téléphone. Donc ce bug est dû à une mise à jour que Google a faite. Donc tout simplement vous allez aller dans vos paramètres, donc settings, ensuite vous allez aller dans le gestionnaire d'application ici, donc vous attendez, alors vous allez sélectionner l'application Google dans les applications téléchargées. Et maintenant, vous allez cliquer sur « Désinstaller les mises à jour ». Et donc, vous allez voir, donc ce bug va disparaître. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire en sorte pour pas que cela se reproduise. Voilà. Faites « OK ». Ne vous en faites pas, ça va rien changer à votre téléphone. Justement, ça va, c'est juste à supprimer la dernière mise à jour qu'il y a eu. Donc voilà, c'est bon, il a été désinstallé. Maintenant, je vais revenir sur le menu. Et je vais maintenir le bouton et je vais vous prouver que ça fonctionne. Voilà. Hop, voilà, ça affiche les applis. Ça n'affiche plus le message d'erreur qu'il y avait. Maintenant, une autre petite astuce qui est très utile. Vous allez dans Play Store. Donc, désolé, il est un peu lent mon téléphone. Ensuite, vous allez donc dans les trois petites barres en haut à gauche. À gauche. Pas là, mince. Hop. Ici. Et vous sélectionnez, donc vous allez en tout en bas, Add New Select, paramètres, donc Setting. et ensuite, vous allez cliquer ici, at the bottom, sur Mise à jour automatique des applis. Et vous allez mettre, ne pas mettre à jour automatiquement les applications. Donc comme ça, l'application Google ne va pas se mettre à jour toute seule. C'est une astuce. En plus, donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aidera, voilà. Donc dites-moi aussi si c'est réciproque pour les iPhones, je ne sais pas. Donc en tout cas, moi sur mon Android et sur les plein d'autres Android, il y a eu ce problème. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, parce que j'ai vu, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en avaient parlé. Donc voilà. Au revoir et merci.